Donc voilà, le séjour à Berlin, un échec, point de vue tourisme, mais ça reste un très bon week-end et j'espère pouvoir refaire ça très rapidement. Samedi matin, départ pour Berlin pour les LEC. Première fois que je pars en solo dans un pays non francophone. Je suis pas du tout sereine avec mon anglais approximatif, mais bon. Alors, faut savoir que c'était la première fois que je partais dans un pays non francophone toute seule. Et à peine arrivée à l'aéroport, j'ai cru que j'allais chialer. Mon internet ne voulait pas fonctionner. Le citymapper, il m'indiquait un transport que personne ne savait où le trouver. Quand je posais des questions aux gens, on me répondait en allemand, alors que je disais que je ne parlais pas allemand. Et finalement, il y a eu mon héros, un gars de l'aéroport qui m'a imprimé tout un petit itinéraire. Parfait. Et au final, je m'en suis sortie. Merci à lui parce que vraiment, j'ai cru que j'allais rester dans l'aéroport pour 3 jours. Voici le soleil de Berlin. Enfin, le soleil. Il fait 8 degrés, regarde. Ah, bah, c'est passé à l'heure.
big fan, as you may have noticed, Bravo TV was like a high output. Force aux Ultra Carmine qui étaient sur place et à tous les autres pour cette phase. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui étaient présents ont donné de la voix et ont dansé jusqu'au bout. Et pendant ce séjour, j'ai encore pu voir à quel point j'étais nulle en interaction humaine. Je pensais avoir beaucoup progressé sur ma timidité et la preuve que non, j'ai toujours des comportements random. Dites-vous, les joueurs cassés et le staff cassé sont venus pour les fans. Et au moment d'aller les check, donc j'étais en train de checker les joueurs un à un, j'ai paniqué, le stress, et j'ai checké le vigile. Le pauvre mec a rien compris à ce qui lui arrivait, et moi je me suis sentie trop mal. J'avais les potes qui étaient en train de pleurer toutes les larmes de leur cœur, et moi j'avais juste envie de partir très loin parce que, encore une fois, j'ai agi de manière complètement aléatoire juste parce que les interactions humaines, c'est vraiment pas mon fort. Bon, ça y est, je viens d'arriver en France. Petite 03 week de la Carmine qui ne se qualifie pas au playoff. Et vu que j'étais avec les ultras de la Carmine, c'est plus bizarre de les voir dans cet état. Mais à voir ce que l'avenir réserve à la Carmine. Oula! Dans tous les cas, désolée pour le vlog qui est très court. À la base, je voulais faire un vlog quali. Au final, je sais pas combien de temps il va durer. À mon avis, 3-4 minutes. Parce que Berlin ne m'a pas du tout inspirée. Et que ça a été un échec d'un point de vue touristique. Mais si ça peut permettre à certains, en tout cas, de voir à quoi ressemblent les locaux du Riot Arena, tout ça, tout ça. J'aimerais bien aller au MSI. Mais c'est en Chine. Donc, à voir quel sera le prochain event.